Vous le savez, Wonder Woman est sorti au cinéma et cartonne plus de 600 millions de dollars dans le monde. Et chez DC Comics, ils ont eu une heureuse initiative avec The Hero Initiative. Vous connaissez le principe, c'est ils sortent un bouquin par an. C'est tout simplement une galerie de couvertures inédites faites à la main par les plus grands auteurs de comics, regroupés. Alors les originaux sont vendus aux enchères, bien entendu. Tout ça doit financer la retraite d'auteurs connus ou moins connus, des gens qui ont eu des accidents de la vie, qui n'avaient pas d'assurance retraite ou d'assurance maladie. C'est une association qui vient en aide aux auteurs de comics, donc c'est très bien, The Hero Initiative. Et donc chaque année, ils éditent un bouquin pour reprendre toutes les couvertures, les 100 plus belles couvertures par les plus grands auteurs. Donc il n'y a que de l'inédit là-dedans, et il n'y a que chez nous que vous le trouverez, parce que c'est pas un bouquin qui sort en VF, et c'est pas un bouquin qu'on retrouve. Les plus grands auteurs proposent des couvertures inédites. Donc là on a Shane Davis par exemple, le dessinateur de Superman Terrain, on a Raphaël Albuquerque, un dessinateur que j'adore, dessinateur de Huck, qui sort bientôt en VF. Nous on a Alan Davis par exemple, qui en a fait deux, des magnifiques couvertures. C'est le format TPB, ça coûte 12,99€, c'est vraiment rien du tout. Vous avez les plus grands auteurs, j'ai vu passer Dal Keown tout à l'heure, Matt Wagner, Peter Stegerwald, le coloriste de Lady Mechanica et dessinateur de The Hunter, Bill Sienkiewicz. Voilà, vous avez vraiment énormément de talents et de dessinateurs, énormément de dessins inédits. Liam Sharp, le dessinateur de Wonder Woman, encore un Bill Sienkiewicz parce qu'il en a fait plusieurs. Derek Robertson, Paolo Rivera, voilà, ils sont des centaines, les plus grands auteurs DC Comics et les plus grands auteurs d'ailleurs hors de tous les comics, pas forcément DC Comics, se sont donné rendez-vous pour soutenir une bonne cause, et à l'occasion de Wonder Woman, la sortie du film, c'est quand même quelque chose qu'il ne fallait pas rater. On compte sur vous, vous faites un beau geste et vous repartez avec un beau comics, c'est pour vous.